Bon matin! On est mercredi. Non, pas vrai, pas en tout. Mardi, le 22, je crois. Sûrement que le trois quarts du temps, voyons. Je dis pas la bonne date. Voyons, c'est comme ça. Il est peut-être rendu 10h. Ouais, je pense qu'il est 10h. Ce matin, on n'a pas fait grand-chose comme d'habitude. On a relaxé. Les filles ont pas mal joué dans leur salle de jeu. C'est la dernière journée qui était avec nous avant de retourner à la garderie. Là, je vous disais qu'on les avait comme presque pas mal 5-6 jours consécutifs à cause que c'était Pâques puis les filles vont pas à la garderie le mardi, jeudi. Fait qu'on a pris ça mollo. Puis là, ils commençaient à plus s'endurer pour rester un peu normal. Là. On s'entend que... Ces temps-ci, on fait pas grand-chose. Ben, on fait pas grand-chose. On fait pas grand sortie, vu qu'on veut comme profiter de notre congé, là, si je veux dire. Là. Mais on s'entend, c'est pas pareil un troisième congé qu'un premier. Là. On dirait qu'un premier, on pouvait se permettre de rien faire. Mais là, avec des enfants de 2 puis 3 ans, on peut pas vraiment, tu sais, il faut quand même les occuper. Fait que là, ils commençaient à plus s'endurer. Donc, Max est allé dehors avec eux. Puis il est allé racler le terrain. Je sais pas si... Bon, on les voit, je vous les montre. Coucou! Eléa est là. Zuzu, je sais pas, elle est où, là? Ah, Max racle le terrain. Là, vous voyez... Ah, et là, Zuzu! Vous voyez tout ça ici, là? Ça va être où qu'il va avoir la terrasse que je vous ai montrée. Hein. Fait que c'est bien énervant. Notre ami vient prendre les mesures cette semaine. Puis là, la piscine, le foyer, on va le changer, là. Il est rouillé. Fait que je suis bien énervée. Un jour, on va faire ça. Vous voyez le toit de... Mon chum veut genre, il veut faire un garage. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire, mais en tout cas. Alors, c'est ça. Fait que là, les filles sont dehors. Moi, là, vers midi et demi, je m'en vais dîner avec une de... Oh! Avec une de mes amies. Excusez, à moi, faire deux choses en même temps. J'ai bien de la misère. Ce soir, on veut manger du crabe. Mais avant, il y a un de ses amis qui venait. Ben, un de nos amis, là. Je dis son ami, mais c'est un de nos amis. Puis, il vient avec sa fille. Sa fille, je crois qu'elle a un petit peu plus qu'un an. Fait qu'il va venir. Elle va venir jouer avec les filles. Puis, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais ça va à travail, par exemple. Fait que c'est ça. J'ai l'air de mettre 15 couches de maquillage. Là. C'est juste parce que j'essaie de l'étendre comme il faut. Là. Fait que c'est ça. Puis nous, on va manger du crabe après. Fait que après avoir été mon déjeuner, dîner avec mon ami, je vais arrêter au métro acheter du crabe. Puis peut-être un dessert aussi. Là. C'est fou comme en congé, on dépense comme des malades. Parce qu'on dirait que on est tellement habitués de ne pas être ensemble, Max puis moi, les soirs. Ben, tous les jours, dans le fond. Que... Tu sais, avant, quand on était ensemble, c'était comme festif, là. Fait qu'on se faisait tout le temps, tu sais, du tartare, des trucs comme ça. Mais là, on est ensemble tous les jours. Fait qu'à tous les jours, tu sais, on va à l'épicerie, on va se faire une bonne bouffe. En tout cas, fait que ça fait qu'on dépense pas mal plus. Hier, comme je vous disais, on est allé acheter le Chromecast, là. C'est donc bien merveilleux, ça. Tu peux comme tout projeter ce qui est de ton ciel à la télé. Puis c'est super facile, puis ça bug moins, ça. Que notre télé intelligente en bas, parce que mon chum m'expliquait que, parce que je trouve Netflix, il bug tout le temps en bas, là, ben dans le salon, à cause qu'il m'expliquait que nous, on a la télé intelligente, mais comme première génération, là, ça fait, tu sais, ça venait de sortir quand on l'a acheté. Fait que, c'est pour ça que ça bug un peu. Mais bon, on changera pas notre télé pour ça, là, on a comme full une grosse télé, puis on s'en fout un peu que ça bug une fois de temps en temps. C'est ça. Fait qu'on a commencé à écouter Quicksand. C'est une autre affaire de dans un collège qu'un meurtre, en tout cas. C'est... Puis c'est vraiment bon, pour vrai, mais on s'est endormi. On est arrivé vers 9h et quelques, tu sais, je vous disais. Puis on s'est endormi comme les émissions, je pense, qui durent une demi-heure, une heure. En tout cas, on s'est endormi avant la fin de la première émission. Puis après ça, petit update de la nuit. Axel, il s'est réveillé normal, là, je vous dirais. Il a comme. On l'a vraiment gardé réveillé pendant la soirée pour que justement il fasse pas sa seule période d'éveil pendant la nuit. Là, je l'avais vraiment pas trouvé drôle. Mais pour vrai, j'étais pas tant fatiguée que ça. Là.
C'est ça. Fait qu'il il s'est réveillé, tu sais, on s'est rendormi vers 9h. Fait qu'il s'est réveillé vers 11h et quelques. Après, il a bu, mais tu sais, il a vraiment bu comme vraiment vite, là. Des 15 minutes, j'avais même pas le temps de me partir comme une émission de quelque chose, là. Il a bu, après ça, à quelle heure il a rebu? Vers 2-3 heures, je me souviens plus trop, là. Puis après ça, à 7h30, genre. Zoé, elle s'est réveillée à 6h, elle est venue me rejoindre. Max était au gym, puis elle s'est... D'habitude, Zoé, elle veut tout le temps elle veut descendre dans le salon tout de suite. Mais là, tu sais, j'ai dit, là, tu t'axes, elle fait des dodos, là. Puis elle s'est couchée à côté de moi, puis elle s'est rendormie. Quand Max est arrivé, elle dormait à côté de moi. Puis tout le monde, on s'est réveillé à... j'ai l'air de mettre 150 couches de poudre. C'est pas mal le cas aussi. J'ai tellement hâte que le soleil il me bronze et que j'avais plus à me maquiller. Là. En tout cas, c'est ça. Tout le monde s'est levé vers 6h30, 7h. Là. Puis là, c'est ça. Les filles sont dehors. Puis nous autres, ça, on va y aller hein, parce que il est juste 10h et quelques. Puis on veut profiter un peu. Il fait comme soleil mais nuageux. Puis j'aimerais ça aller prendre les mesures dehors parce que, Seigneur, je ne trouve pas de pergola avant à. Comme je veux, parce que la grandeur de notre patio, c'est comme, tu sais, c'est vraiment large, là, c'est, je pense que c'est comme 27 par, je sais pas trop combien, mais ça fait qu'on peut pas mettre deux pergolas, puis, parce que moi, dans le fond, je vais mettre salle, tu sais, je vous l'ai montré, là, salle de jeu, puis salle à manger, on peut pas mettre deux pergolas, parce que ça rentre pas, j'ai checké pas mal toutes les pergolas, puis, non, mettre juste une, c'est comme limite pas assez grand pour mettre la salle de jeu. Puis cet été, on voulait en faire une en bois, là. Mon père, il y en a une chez eux. Cet été, sérieux, ça va tellement nous coûter cher de... voyons. De terrasse que je sais pas si je vais investir un autre. Tu sais, c'est 2000 kicks, là, la pergola qu'on veut sur mesure. Fait que on va sûrement attendre. Tu sais, je voulais en acheter vraiment... Je voulais en acheter une vraiment... relax, à peu près 500$ pour cet été, puis voir qu'est-ce que ça fait la job, puis tout. Non, j'ai vraiment de la misère un matin. Fait que c'est ça, je suis en train d'emmagasiner ça, mais tu sais, ça m'a dit ça presse pas tant, mais tu sais, il commence vraiment à faire beau. Fait qu'en même temps, oui, là, en tout cas. Fait que je regarde ça tranquillement, tranquillement, pas vite, là. Ouf. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, moi, je vais aller rejoindre ma marmaille. Je vais changer petit poulet parce qu'il est encore en pyjama. J'ai mis ma robe, une robe rose maternité. Pour vrai, je suis vraiment juste soit en rose maternité, soit en lait de poule, soit en gelée nanane parce que c'est tellement facile pour allaiter. Celui-là, comme d'hab, là, tu fais ça comme ça puis ça va vraiment bien. Je les aime vraiment, ces robes-là. Là. J'ai vu qu'il y avait un autre modèle en bretelle. Fait que moi, j'ai la grise. Je vais me commander l'autre... pour l'été. Alors nous, on va se préparer, on va aller rejoindre dehors, après ça on va aller dîner, puis je vais vous redonner des nouvelles plus tard. Salut la gang! Hey, je viens d'installer mon... Tu sais, le truc que j'avais acheté. Le truc que j'avais acheté, tu sais, au lieu de mon trépied, là. Finalement, c'est vraiment de la merde. Même dans mon auto, ça, comme... On dirait que le téléphone, il est trop lourd pour le truc et tout. Donc là, il est rendu passé midi. Je m'en allais rejoindre mon ami au resto. Parce qu'on allait déjeuner, dîner. Elle me demandait si j'aimais mieux aller dans un resto à déjeuner ou un resto à dîner. Puis j'ai le goût de manger un gros déjeuner. Tu sais, genre des œufs bénédictines. Mon Dieu, je sais pas pourquoi mon wiper à l'arrière, il...
Je vais vous montrer avant de partir deux petits colis que j'ai reçus. J'espérais tellement recevoir mon écharpe Zach et Zoé. Bon, on s'entend, là, je l'ai commandé avant la fin de semaine de Pâques, puis on est juste mardi. Mais elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'elle shippait aujourd'hui. Fait que sûrement que je vais le recevoir vraiment bientôt. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais mon journal de grossesse qui était de moments ancrés. Et là, je viens de recevoir le journal de bébé. Il est tellement beau. Je les aime tellement, tous ces petits journaux-là. Et bah, il y a comme ça reflète dans. Je vais vous montrer, là. Attends un petit peu. Attends. Les annonces, blablabla. C'est vraiment cool parce qu'il était comme. Côté maman, côté papa, nos passions et tout, tu sais, pour que l'enfant se. Voyons, l'enfant sache un peu nous, notre enfance et tout. Ça, je trouve ça tellement drôle. Je sais pas si vous voyez. C'est ce qui coûte en ce moment. Fait que, mettons qu'il va, il va rouvrir son livre dans, mettons, 25 ans, ben il va savoir le pain était à combien, mettons. Les premiers jours, il y a des photos. T'sais, après ça, tu as comme un mois, deux mois, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. T'sais, mettons, exemple, le bébé, je sais pas moi, il aime vraiment... dormir sur le côté les trois premiers mois, mais là, au quatrième mois, ben là, tu dis que je n'aime plus dormir sur le côté, en tout cas. Fait que c'est vraiment des beaux souvenirs. J'ai hâte de le remplir. Je vais sûrement remplir une partie avec vous bientôt. Oups, mes clés. Et j'ai reçu aussi un deuxième coton ouaté Nine Clothing. Tu sais, le coton ouaté qui se dézippe et qui allait vraiment bien et que j'aime tellement porter parce que... quand tu veux juste être relax, mettons, pour aller que ça soit à quelque part ou je pense que je peux y aller en vous parlant, gang, parce que je vous touche pas. Quand que tu veux aller, voyons, je vais te dire, excusez, je peux pas faire un million de choses en même temps. Que j'envoie pas un qui dise que je suis dangereux parce que je vous parle en même temps, parce que je vous touche pas. Donc, même que je vais le faire, je vais continuer à le faire rouler jusqu'à ma destination pour pas y toucher partout. Donc, qu'est-ce que je dis avec ça? Ouais, c'est ça. C'est comme un de mes vêtements préférés parce que c'est autant comme relax que beau et confortable. Là. Fait que je peux autant le porter chez nous que si je vais à quelque part puis que, tu sais, c'est pas super chic. Là. Fait que je suis bien contente de recevoir, d'avoir reçu un deuxième modèle. Vous êtes tellement à m'avoir demandé c'était quoi la compagnie et tout. Fait que c'est ça. C'est Nine Clothing. Je vais vous le mettre en barre info aussi en bas. Donc là, tantôt, depuis qu'on s'est parlé, on est allé jouer dehors. Là, moi, mon chum m'a regardé ce qu'on pouvait faire pour la terrasse. Là, on sait comme pas trop encore ce qu'on va faire pour la pergola. Je vous le dis, il y a beaucoup de bosses dans mon coin. Je m'excuse pour ceux qui ont mal au cœur. Donc c'est ça. On sait pas trop ce qu'on va faire, mais on s'est dit qu'on allait attendre de voir que le béton il allait être coulé, là, parce que comme je vous disais, la base de la terrasse est en béton. Fait que c'est ça, voir vraiment les dimensions, là, parce que c'est bien beau qu'on prenne le tape à mesurer et qu'on se dise, OK, il est 18, je pense que la largeur c'est 18, là, puis les pergolas sont toutes 10 par 10 quasiment, ceux que je regarde. T'sais, c'est bien beau, OK, dans 10 c'est quoi qui rentre, mais on dirait que quand on n'a pas le matériel, c'est difficile de visualiser. Fait que c'est pas mal ça. Puis, on a couché les filles. Puis, les filles se sont tout de suite endormies parce qu'il n'était pas encore midi. Je vous le dis, quand on les couche avant midi, c'est vraiment ce qui marche le plus. Et hey, je vous le dis, ici, il y a tellement de boss. Fait que c'est pas mal ça, là. Je m'en vais manger, comme je vous dis depuis un million de fois. Bon, là, il y a fallu la construction. Fait que je vais en profiter pour vous dire à tantôt. Fait que je vais pouvoir le fermer sans être dangereuse. À tantôt! Je vous dis, gang, j'oublie tout le temps de rattacher ma maudite bretelle de brasseur d'allaitement. C'est ça. Re-salut, gang! Changement de plan. Je vais faire l'épicerie. Attention, attention. Seule, sans enfant. Même pas Axel. C'est la première fois... en 3 semaines que je me sépare
de mon enfant. On s'entend, je viens de l'allaiter et je m'en vais à l'épicerie. Fait que même si je l'avais amené, je l'aurais pas plus allaité si jamais il fait une crise. Et tantôt, j'ai parlé trop vite. C'est pas de la merde, finalement, mon genre de trépied là, collé sur le truc. Fallait juste que je mette de l'eau. Fait que vous devinerez que j'ai mis de la barbe. Donc, c'est ça. Là, puis tu sais, je vous disais qu'on voulait souper du crabe, mais on a reçu notre boîte Pocket. Alors, on va manger. En plus, tous les repas ont l'air trop bons cette semaine. On a pris comme une poutine aux champignons sauvages, une bavette à quelque chose, puis des lanières panées avec une bonne salade, en tout cas. Fait que sûrement qu'à soir, on va se faire la bonne poutine avec du bon vin, vous devinerez. Ah, je vais peut-être aller à la sac. Une de mes amies qui m'a parlé qu'une nouvelle affaire, là, elle sait que... Ben, elle sait, on s'entend, là, c'est une de mes amies, que j'aime vraiment beaucoup le Sprite. Puis, il y a une nouvelle affaire, apparemment, ceux qui aiment le Sprite. C'est comme du Sprite, mais avec du limoncello. Fait que c'est ça. Au lieu du Sprite, tu mets du limoncello. Fait que ça fait bulle limoncello. Puis si tu mettais du Sprite, tu peux mettre bulle Sprite limoncello. Fait que je vais peut-être aller acheter du limoncello pour essayer ça à soir. Ça risque d'être bon. Je faisais le montage de mes vlogs tantôt, là. Puis aïe, j'ai tellement l'air de boire tellement du café, mais petite rectification. Pas parce que je me sens le besoin de justifier, mais même moi, je trouvais que j'avais l'air d'en boire vraiment beaucoup. Je bois même pas une tasse. Hey, ça shake, je m'excuse. Une tasse de café par jour. C'est juste que, vous savez ce que c'est quand on a des enfants. Je me fais vraiment une petite tasse, puis je la réchauffe souvent. Fait que dans le fond, à la fin fond de la journée, j'ai bu une tasse de café, t'sais. En tout cas, c'est juste ça. Puis, c'est pas mal ça. Fait que là, je vais aller à l'épicerie quand même parce qu'on a vraiment plus rien. Mais au moins, acheter des fruits, légumes puis des céréales. Axel vient de me vomir solidement dessus. Genre le plus gros vomi de l'univers. Tout là, genre. Là, je me suis changée. Puis comme je partais sans lui, je me suis mis ma robe préférée de Rose Maternité. Parce que je peux pas allaiter avec elle. Tu sais, c'est genre la plus... Je pense que c'est la garçonne qui appelle. Mais oublie ça, là. Allaiter avec ça en public, là, est tellement longue qu'il faut que... Puis tu sais, là, tu peux pas sortir un téton là, puis ni par en bas. Juste avant de partir, je l'ai réallaité juste pour être sûr qu'il soit comme rassasié. On s'envole. On s'entend, là, je m'en vais même pas 20 minutes, là, mais même à ça, peut-être une demi-heure. Même à ça, vu qu'il y a 3 semaines, d'un coup, qu'il partirait sa petite croissance puis qu'il voudrait juste boire, tu sais. Fait que c'est ça. Je me suis vidé les tétons, puis j'ai vraiment... C'était pas nice à allaiter, là, on s'entend. Il faut vraiment des robes d'allaitement pour allaiter. Alors, c'est ça, je m'en vais faire l'épicerie. Puis, finalement, l'ami à mon chum, il va passer un autre soir parce qu'il y avait full de trafic. Fait que, puis il veut pas défaire la routine de sa petite. Fait que je comprends aussi, là. Fait qu'il va passer un autre jour qui va avoir plus de temps. Puis, il va venir avec sa blonde. Donc, c'est fun pour moi. Puis, sinon, on va prendre ça très, très, très relax parce que demain, je suis en tournage. Les filles viennent voir le bébé à la maison avec l'équipe de tournage pour Marabout. Puis, jeudi aussi, on a un souper avec des amis. Fait que c'est ça. À ce moment, on va prendre ça relax. Sûrement, continuer d'écouter Quicksand. Alors, c'est pas mal ça. On va se rejaser à la fin de la soirée. À plus tard! Que tu y fais? Tu fais une tresse? Fais une belle tresse. Il est arrête de tirer. Non, je peux. Fais des minutes d'abord. Salut la gang! Je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit les heures du tout de la journée. Je vais essayer de vous les écrire pour vous situer un peu dans le temps. Les rendus, mon Dieu, pourquoi il n'y a plus d'heure sur le... C'est bon que Christine. Je pense qu'il est 6h30 à peu près. Les filles écoutent Passe-Partout. Nous, on vient de vous faire le vlog spécial On répond à vos questions. C'est bien drôle, alors vous irez voir ça. Ce soir...
On se fait la poutine décadente aux champignons sauvages. Ça a l'air vraiment trop bon. Comme je disais tantôt, on voulait manger du crabe, mais ça, on a reçu ça entre-temps. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez vu, j'ai mis mon... Je veux pas aller à l'étage. Bon, Eléa est vraiment... Eléa va être vlogueuse plus tard. Hello, les amis! Hello, my friends! Hello, my friends! Hello, my friends! Alors, j'ai mis mon coton... mon coton ouaté que j'ai reçu de Nine Clothing. Il est beau, hein? Et j'ai reçu d'autres colis! Alors, je vais vous les ouvrir avec vous. Attends, on va les ouvrir ensemble. Oui. Ensemble. Mon assistante. Qu'est-ce que c'est? C'est de boutique Maimée. Doucement, il y a un message ici. Boutique pour bébé. Voici deux bavoirs. Ça s'en vient, gang, ça s'en vient. Montre-moi ça. Un jour de moutarde et un safari. Oh là là, regardez ça. C'est pas pour Eléa? Ben non, c'est pour Axel. Oh, il est trop beau. C'est moi qui les avais sélectionnés. Et c'est vraiment mes bavoirs préférés. Ils sont pareils comme ma doudou. Derrière, c'est comme en serviette. C'est jaune moutarde. Vous savez comment j'ai un amour. Attends, wow. Un instant. Donc, attends, Eléa, c'est une chose à la fois. On prend le temps. Faut voir que tu apprennes si tu veux faire ça. Un instant. Donc, tu attends. Les bavoirs sont évolutifs. Oh, regardez ça. Vous voyez une chance que j'ai la description. Il y a trois boutons. Absorbant grâce à l'endo en serviette. 100% coton. 90% bambou. C'est pour ceux qui sont aussi doux. Et vraiment cute. Oh! J'espère qu'ils vont vous plaire à toi et Axel. Merci d'être toi, une maman inspirante et intéressante. Vous savez comment moi, ces mots-là, là, je les garde toutes et je les mets dans une boîte en passant. Hello! Salut! Je suis certaine. Mon petit sein. Ici. Attends un petit peu, Léa. Attends un petit peu. T'es impatiente. Wow. Ah, mais là, c'est pas marqué attends. Non. Mais là, juste le collant de tortue. Bon, parce qu'il y a un collant de tortue. Félicitations pour ton petit coco. Attache-tu avec des sécuritaires et approuvé pour Santé Canada. Ah! Ah, et. Sauf que là, il n'y a pas la compagnie dessus. Il n'y a pas la compagnie dessus, Colin. Si, je vous redonnerai des nouvelles. Si... En haut, à gauche, il y a un nom. Ouais, mais ah, c'est Alicia. Arrête, Eléa. Alicia. Donc, c'est Alicia qui m'a envoyé ça. Donc, un attaché marqué accès. Oups. Accès. En tout cas, je parle comme ça. Ouais, je vais la tenir. Ouais. Et un autre. Ah, oh, ça va aller avec son bavoir avec du jaune moutarde et du vert comme ça. Vous connaissez mon amour pour les attaches-sus, les amis. Là, Axel est vraiment dans sa poussée de croissance, hein? Je pense que ça fait trois fois que je l'alerte depuis une heure. Et ça, mesdames et messieurs, le colis que j'attendais. Oui, je vais l'ouvrir. Non, ça, c'est très fragile. Tu touches pas à ça. Là, je vous dirai pas le nom parce que je sais pas comment dire mon nom. Precious Stamping. Oui, Axel, maman s'en vient. Je fais ça vraiment vite pour vrai. Je suis vraiment. Je vous l'avais montré sur Instagram un peu, mais là, je l'avais pas reçu. Oui, mon amour. Je vais l'ouvrir. Je vais le mettre. C'est un collier. Avec les trois noms de mes enfants, je capote. Rose Gold. C'est elle qui avait fait mon collier maman que je vous avais déjà montré. Et je vous annonce que dès maintenant, j'ai un code promo pour commander votre collier sur mon Instagram. J'ai comme une boule d'émotion ici. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ça va-tu focusser? C'est dur, hein? Fait que, en tout cas, fait que vous saurez que c'est Axel, Eléa et Zoé Lou. Donc, je vais le mettre à l'instant. Je suis vraiment énervée. Oui, Axel, maman s'en vient. Méchante mère. Qui ouvre ses colis avant d'aller allaiter. Mais là, vous comprendrez que ça fait trois fois que je l'allaite en vraiment pas longtemps. Bon. Bon, je vais le mettre.
Je pense que je l'ai. Je l'ai-tu? Là, regardez, j'ai pris comme le... Je pense que c'est le deuxième plus long. Oh, il est trop beau! Donc, il y a un 10% de rabais sur ma page Instagram si vous voulez aller voir. Et je vous laisse encore, en, comme d'habitude, en barre info, toutes les compagnies des colis que j'ai reçus aujourd'hui. Là, ça va être l'heure de vous quitter parce que l'heure de la routine du dodo, les amis. Je vais juste vous donner un petit backup non, sur le... Non. Le Sprite Limoncello Bulle. Gang, qu'est-ce qui est super important à savoir, c'est qu'un Sprite, c'est 11% d'alcool et que ça, c'est 20% d'alcool. Alors, vous voyez, je me suis fait un verre. Ça doit faire une heure et demie que je l'ai parce que je bois avec modération. Soyez prudents, gang. Alors, sur ce... Je vais fermer le blog parce que je sens que Axel va être demandant toute la soirée. Puis c'est bien correct, hein? Il n'y a pas 1 million de poussées de croissance dans la vie d'un enfant. Alors. Hein? C'est assez. C'est assez. Max n'est plus capable. Il se fait têter le téton. Fait que sur ce, je vous laisse. Puis on se voit dans un prochain vlog.